Là, je viens de voir, on rentre à la maison, et je viens de voir qu'il y a un pas de sanglier sur nos pas. Voilà, on est passé il y a 1 heure, on va dire. Et donc ça c'est tout frais, c'est dans les pas de Zazabibi. Y a un sanglier qui est passé là. On voit les marques. Qui est? Donc on peut voir. Il a grimpé là, il est parti par là. Il a fait des grandes enjambées, il est venu de là. Un pas là, un pas là. Un pas là, un pas là. Un ça. Eh bien, il est parti par là. Donc tout à l'heure Enza était un petit peu excité là-bas, mais à mon avis il y avait peut-être un. Enza, allez viens, viens, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc il y avait un sanglier qui était par ici. Il commence à faire chaud, ils vont se mettre au frais là, il y a la source qui est là. On l'entend. C'est des bois d'été. Hein. Là, il y a des enseignes coulées. Enfin, c'est vieux. C'est marrant, c'est un petit peu le même pas là. Ici, là, c'est un petit peu le même pas. J'ai noté. Bon, il n'y a pas énormément de fréquentation, mais j'ai noté là-bas 2 ou 3 tailles de. Celui-là, il doit faire à peu près 70-80 kilos. Et puis. Il y a un pas plus gros là-haut. Les pas de 50 kilos. Pas de petit. Voilà. Le bain d'Enza. L'eau est fraîche, c'est beau, c'est magnifique. On va retourner. Elle est dans sa petite source. L'eau qui coule à longueur d'année. Enza est heureuse là-dedans. Elle est à pied. Hop là, plongeon, toc 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 toc, à mon avis, on va la voir de l'autre côté. Oh non, elle est bien sous le pont. Voilà, madame fait du canyoning. Allez, hop!